La pâte, tranquille. Récapitule, les deux bouteilles garnies, le détendeur et 20 mètres de tuyau pour 300 tickets. Moyennant quoi, je garantis 3 heures de boulot à 3000 degrés. Tu récapitules, tu garantis, t'es un peu chouette. Primo, un homme de ma classe n'a jamais eu besoin de 3 heures pour déboucler un coiffio. Deuxio, vu le monstre auquel je m'attaque, 3000 degrés, c'est à peine tiède. Je ne te cache pas, j'espérais trouver chez toi autre chose que de la quincaille. T'espérais quoi? Arsène Lupin en 12 volumes, le rayon vert... La baguette magique. Le nouveau bec à azote ionifié. C'est peut-être de ça que monsieur veut causer. Oh merde. Heureuse de te l'entendre dire. Mais ça, c'est pas l'outil de n'importe qui pour le prix de n'importe quoi. Ça, c'est une brique. Et sans le carburant. Oh merde alors. Tu te répètes un peu. Comprends-moi bien, Gertrude. Si j'avais débuté dans la vie avec du matériel pareil, Renassis et moi, on causerait de puissance à puissance. Malheureusement, je débute pas. Je serais même plutôt sur le point de raccrocher. C'est drôle, je m'étais laissé dire que c'était fait. T'avais tourné à Rennes, tu vivais des dames. Ça va pas comme tu veux? Disons que je fais un tour d'honneur. Qu'est-ce que c'est ta folerie? Un Winter Winter 53. Tu crains pas de viser un peu haut? Un Winter Winter bourré à craquer. Et des branques tellement confiants qu'ils ont supprimé le système d'alarme. La provocation. Mais Artung, mot même. Le Winter Winter, c'est du spécial. Molybdène et titane. L'alliage infernal. La diablerie. Là, entre la cinquième et la sixième entretoise, tu files le train. Oui. T'as 20 cm pour passer, pas un poil de plus. Juste au ras des crémaillères de rappel, entre les deux électrodes. Tu files le train. Oui, seulement il y a un os. C'est que la brique, je l'ai pas. Dommage, j'avais enfin l'outil que je mérite. T'en aurais besoin pour combien de temps? Une heure pour aller, une heure sur le tas, une heure pour revenir. Ça fait 3 en tout. Je vais te faire une fleur. 300 sacs de l'heure. Carburant compris. Ça fait 900 raides. Où veux-tu que je les prenne? Enfin, où tu voudras. Quoi, fais une manche, organise une tombola ou un emprunt. Edmond n'est pas là. Edmond est de plus en plus toujours jamais là. Il itinère entre Pigalle et Blanche. Il migrate en fonction en bistrot. Vous le cherchez pourquoi? Pensez l'inviter à déjeuner. Oh, si vous voulez partager nos modestes nourritures. Nous nous substantons ce jour sous quel végétal, mamie? Aujourd'hui, on se dissipe un peu. Soja aux algues, riz nature et compote de nèfles. Vous êtes gentil, je suis attendu.
Pensez pas que le jeûne et la contemplation l'éloignent un peu, Edmond? C'est surtout le boulot qui l'éloigne. Et il était pourtant doué, le salopard. Il vous galbait la botte sous mur comme personne à une main de fée. Mais pas de concentration. Il n'a jamais eu le mental très bien structuré. Il ne surmonte pas l'apparence. Madame. Ah. Attends-la quand même, toi. Je viens de l'armée, c'est pas Droquemoute. À son hôtel, pas Droquemoute. J'ai pas retenu une heure. J'aimerais te parler. Il faut. T'as vu, c'est affreux. Quand même. J'aimerais bien savoir ce que tu traques. Micheton, le prince charmant. Parce que si ta tante Grégory Peck passe dans le coin, bah t'es pas prêt de dérouiller. Eh ben, qu'est-ce qui vous prend, monsieur Arthur? Où il est? Qui ça? Le Roquemoute. Les hommes, ça dit jamais où ça va ni d'où ça vient. C'est plein de secrets. Écoutez, mademoiselle, nous n'avons pas interrompu vos activités pour vous écouter philosopher sur l'existence, aussi brillantes que soient vos idées. Mon camarade vous demande où est Roquemoute. Vous le lui dites? Je te commence à coup de latte et je te termine au rasoir. Ah. Oui. Bon. Il est bien plaisant, votre ami. Roquemoute est passé il n'y a pas 20 minutes. Il a dit qu'il avait eu une matinée terrible et qu'il allait grignoter une bricole avant de déjeuner. Où ça? Bon. Tu viens de voir un jour, toi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par une matinée terrible? Ah, bourdonne pas, tu vas faire une poussée d'adrénaline. Ça voudra quand même qu'il mérite des claques, ce PD. C'est lui qui nous fixe l'heure du rencard, qui doit porter le matériel et tout, et il s'évapore. Eh ben, tu vois, c'était pas la peine de t'énerver. Tout de même. C'est la meilleure pâtisserie d'Europe. Dis-lui qu'on s'en fout. Les hommes, il m'en arrive une sévère. On te dit qu'on s'en fout. Le coup est carbonisé. Quoi? Laisse venir. On n'a plus de chalumeau. T'aurais peut-être pu nous annoncer ça plus tôt, non? Pour annoncer, il faut savoir. J'ai eu en poigne ce chalumeau miracle. Je croyais que c'était un ami qui me le tendait. J'ose même pas vous annoncer la couleur. Trois briques. Hein? Des amis, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des goinfres, des maîtres chanteurs. Ou alors des tendres. Je parle de Mézig. Quand je te dis que ça relève de la claque dans le pif. Moi, une dame oserait me faire ce que t'as fait Gertrude, je la bute aussi sec. Et allez donc. Vous êtes vraiment plein de vitalité. De toute façon, on pose dans le vide. On aura fait un beau rêve, c'est tout? Non. Quoi non? Moi, je ne rêve pas, je raisonne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis hier? Le pognon est toujours dans le coffre à la même place, le parc auto est sous pression. Il manque le chalumeau de monsieur. Eh bien, moi, je dis qu'un chalumeau comme ça, ça doit pouvoir se trouver. Oui, avec trois briques. Les trois briques, je connais un mec qui les a. Boussac? Un gars que vous connaissez. Un gars que je connais qui avancerait trois briques? Tu m'étonnes. Alphonse. J'en connais 50 d'Alphonse. Alphonse le malin. D'après toi, il y a combien dans le coffre? D'après la comptable que la femme du pote de mon neveu a à sa pogne, il y aurait entre 12 et 20 briques. Plutôt 12. Divisé par 4, ça fait 3 millions par pied. Un mec comme Alphonse, il prend ça pour une blague ou pour un van. Il se marre ou il frappe. Il y a une façon d'annoncer les choses. Pourquoi ne m'avez-vous jamais emmené ici? J'avais peur que ça vous plaise pas. La clientèle est très mélangée. Salut, Alphonse. Salut.
Sœur Alphonse. Si l'on met un hauteuil, ça pourrait rire. Tu me passes un coup de grelot dans mes pieds. À quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, vos amis. Oh, des amis. Des types que j'ai vus une ou deux fois. Un monsieur demande à vous parler, monsieur Maréchal. Un certain monsieur Edmond. Qui est ce monsieur Edmond? Un ancien camarade de faculté. Je te dérange? Oui. Edmond, dont je vous ai parlé. Une amie. Enchanté. Assieds-toi. T'as dîné? Oh non, j'ai pas faim. J'ai plus envie de rien. Bon, peut-être quelques huîtres pour te tenir compagnie. Vous mangez quoi, vous? Des palourdes. Alors 12 palourdes et 12 belons. Et un verre. Boire, c'est peut-être la solution. Faut que je te parle. Tu peux peut-être bien me perdre. Qu'est-ce que t'as? Je peux mourir dans les 24 heures. C'est le toubib qui te l'a dit? Non, c'est Fredo le grec. Tu sais que de temps en temps, je vais taper le carton au club des astronautes. La 5 semaines que j'ai pas touché un brelan. Ils m'ont d'abord étouffé mes économies. Et puis Fredo m'a fait du crédit. L'enfoiré. Le résultat, je suis encroumé de 10 briques. Joli. Mais sans indiscrétion, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Quand tu veux, tu peux tout. Ben voyons. Si je comprends, je m'amène au club à 6 heures du mat. Je tripote le coffre et je récupère tes reconnaissances de dette. En 10 ans, j'ai connu deux étourdis qui ont essayé de casser le grec. On a retrouvé le premier dans le canal de l'Ourcq et le deuxième à la consigne Saint-Lazare dans une malle d'osier. Oh, tu t'énerves pour rien, je t'ai jamais demandé de casser le grec. Je vois que j'ai eu tort de venir. Je dérange. Excuse-moi. Je t'aurais pas importuné, madame, non plus, si c'était pas une question de vie ou de mort. Il y a combien de temps qu'on se connaît? Trop. Elisabeth, et tu me raconteras tes malheurs. Écoute, Edmond, je t'aime bien, mais quand tu t'imagines que le Rookmout va débrider un Winter Winter, alors là, permets-moi de te dire que tu déconnes à gros bouillon. De mon martyr, je préfère même pas en parler, ça me foutrait de l'urticaire. Je te dis que le coup est catalogué. V'là des mois qu'on le mijote. Il n'y a plus qu'à pousser. C'est ça. Eh ben, poussez sans moi. Dis donc, maintenant que c'est oublié, tu peux me le dire. Ça jouait sur combien, votre singerie? 100 millions. Sans briques. Ah, faut reconnaître, c'est quand même une somme. Et divisé par 4, ça laisse 25 briques à chacun. Et avec 25 briques... Seulement avec le Rookmout à la barre et l'Arthur comme serfrein, les 100 briques, on n'est pas près de les voir. D'un autre côté, il faut voir les choses. Dès qu'on aime le confort, c'est fou ce que l'oseille peut filer vite. Le tailleur, le loyer, les brèmes, on est entouré de voleurs. Et je compte pas les dames. Si je continue à les enjamber au Claridge, j'allais goinfrer chez la serre. Thank you.
Et chauve la vie à Edmond en plus. N'empêche, le quatuor, c'est une bonne formation pour orchestre, mais pour un casse, c'est beaucoup, non? Maintenant que t'as dit oui, pour moi, c'est dans la fouillette. Les bifetons jolis, ils sont là. J'ai dit, il faut voir. Tu seras d'accord qu'un Winter, ça ne s'ouvre pas comme une boîte de thon. Un zotionisé ou Balpo. Ah. À ce type de chalumeau-là, il n'y a qu'une personne capable de le fournir. Gertrude. Eh ben, cette vieille pieuvre en exige trois briques. J'ai versé un acompte, mes derniers 100 sacs, mais moi... T'attends quelqu'un? Non, personne. Monsieur? Tu permets? Qu'est-ce qui te prend de te pointer à cette heure-là? Faudrait savoir ce que tu veux. Pour un poteau-feu, faut plus de 2 heures. Le temps que j'épluche... Mais tu as juré de m'envoyer chez les dingues, non? Tu trouves pas que j'ai assez d'ennuis comme ça? Hein? Quitter le boulot en plein midi au moment du coup de feu? Mais c'est maman que tu veux! Un boudin! Tiens! Quand t'auras fini de faire le ménage, on reprendra. Excuse-moi, mais je supporte pas la paresse. Oh, si tu savais comme j'ai hâte de la larguer, d'avoir les moyens. Mais bon Dieu, qu'on me le donne, ce putain de coiffio! Je le demande à genoux! Là, tu vois, je l'attaque. Entre la 5e et la 6e entretoise, au ras des crémaillères de rappel, d'une seule main et les yeux fermés. Un coup à droite, un coup à gauche, et je passe. Au millimètre, tu me diras. Mais je passe. Ça me paraît l'essentiel. Seulement moi, je suis un manuel, un bon spécialiste, rien de plus. Pour le reste, c'est toi qui tiendras la barre. Tu seras le patron. Figure-toi que j'ai jamais vu ça autrement. Ça t'ennuie de lui faire prendre l'air? Ah, il me plaisait. Oh, puis la barbouille, il faudrait pas vendre. Avec la dégoulinante boursière, les forces frappeuses et la furie congolaise, ça prend de la valeur tous les jours. Tu vas en tirer combien, tu crois? Oh, 3, 4 briques, il en vaut 10. Tonton donne toujours la moitié, mais comme je suis pressé, ben, il donnera le tiers. Tu veux que j'aille lui parler dans le nez, Spédoc? Ah non, toi, tu vas rester ici. Tonton, c'est intimide, et les nouvelles têtes, ça le noue. Tonton, t'es là, vieille frappe? J'arrive. Ah, c'est toi? Tu pouvais pas téléphoner? Je passais. Qu'est-ce que t'as sous le bras? Une langouste bleue. Ah non, me dis pas encore que c'est un braque. Non. Ah non, t'es braque, t'es matisse, t'es du trillo. J'ai plus où les mettre, moi je pars dessus. C'est en fourguer un de temps en temps. À qui? Hein, ça, c'est ton boulot. Dans les cas, celui-là, il va falloir le payer cash. Oh, alors si tu prends le style couteau sous la gorge, t'as l'embout, tu veux même pas l'avoir. Allons, Fonfon, tu sais bien que j'ai de l'amitié pour toi, alors comprends-moi. C'est autrement que ton découlé de la marchandise que de la faucher. Il faut des connaissances, des relations. Voler, c'est juste un réflexe. Puisqu'on parle de réflexe, si je te mettais mon poing dans la gueule. Non, tu vois, tu recommences. Me touche pas! Alors, je veux plus travailler avec les violents. Je veux plus de toutes ces brutes. J'en ai ni l'âge, ni la force. T'as fini ton numéro, oui? Hein? On peut causer? Si tu veux. Je parie que c'est encore l'époque bleue. Je te l'ai dit. Ah, ça y est, là, voilà cette époque. Non, voilà. Je la sens, ma salope. La salope, la vendable. C'est toujours sur moi qu'elle tombe. Avoue qu'il est beau. Mais il est bleu. Invendable. Tu m'as déjà dit ça pour les Matisse et les Dufy. En somme, d'après toi, qu'est-ce qui se vendrait? Rien. Comment rien? Rien. T'as vu la dernière vente à Galliera? Ça fait un maxi. Mais je dis pas que les fortunes ont disparu. Mais j'expose pas, moi. Je m'adresse qu'à des vicieux. Ça, tu me vois me pointer chez Edmond Rothschild et lui proposer la Joconde sans facture? Tu vois d'ici la musique? Écoute, la musique, c'est une chose et la peinture, c'en est une autre. J'en veux 10 briques et pas un rond de moins. Oh. Disons 7. 2, 5, pour te faire plaisir. 6.
4. Je savais bien que je finirais par être marrant. Temps de replier, de recharger et de quitter la place. 23 minutes en tout. Tu me donnes de trop. À la compagnie d'assurance Le Condor, il y a 3 ans, j'ai percé en 12 minutes, 27 secondes, 4 dixièmes. Hier, c'était pas aujourd'hui, figure-toi. Colombe, c'est pas Tokyo. Chrono, j'y crois quand le mec est en piste. On pourrait peut-être embarquer le diable des fois que le corps y résiste. On le charge, on vient le déboucler ici. Non, mais tu l'entends? Qu'est-ce qu'on a, Edmond? Des casseurs ou des déménageurs? Moi, quand je pars chercher du pognon liquide, je reviens avec du pognon liquide. Un point, c'est tout. En attendant, tu pourrais peut-être aider. Dis donc. T'as vu ce qu'il trimballe dans sa ceinture, le Rukmout? Ouvre un peu. Tu te crois dans un film de voyous? Je suppose que t'as aussi tes papiers sur toi. Je vais voir disparaître tout ça. Hein. Sur un coup avec moi, on monte toujours anonyme. Ça a pas l'air vrai. Partir sur un coup avec des branques pareilles. Et tout ça à cause d'Edmond, parce qu'on s'est connus à la communale. Ah, pour les mômes, l'école, c'est plus dangereux que tout. Oui. Mais t'as un nom de Dieu, la bouteille, là. Hé, hey, attends-moi. Hé hey. Thank you.
Le voilà. Il est pas beau? Tu sais, moi, l'aspect extérieur des choses. Ah, il y a quelque chose, bon Dieu, hein? Il y a 30 minutes que tu le dis. Ils devaient l'ouvrir d'une seule main et les yeux fermés. Ils ont dû changer leur alliage. Ah, c'est une race, les chimistes, hein? Ils savent plus quoi inventer pour emmerder le monde. Alors, ça vient, oui. N'agace pas. Bouge pas, les mains en l'air. Bouge pas, j'y vais. Des cars, bon Dieu, des cars. Et les autres? Quels autres? Allez, mine, mine, mine. Si on t'écoute, t'avais rendez-vous dans la rue à 1h du matin avec une dame. Une femme mariée dont tu refuses de dire le nom. Ça se fait pas. Et cet outil-là, tu l'as jamais vu? Tu sais pas à quoi ça peut servir. Mais c'est pas un chalumeau, ça? Si. Mais pourquoi tu le dis? C'est le début des aveux, la pente fatale. Oh, tout n'est qu'apparence. Ça ressemble à un chalumeau. Nous, on ressemble à des poulets. Toi, tu ressembles de plus en plus à un mec qui va descendre au trou. Je reviens de Nanterre, au 18 avenue Jean Jaurès. On connaît pas de Vladimir Ouzanski. C'est drôle que t'arrives pas à te souvenir de ton nom. C'est la troisième fois que tu te trompes depuis hier matin. Oh, probablement la commotion, le choc. Il faudra qu'on pense à réprimander le vigile qui a tiré des coups de feu. Il a traumatisé, monsieur. Ou alors, ça j'ose pas y croire, tu chercherais à ralentir l'enquête, à laisser à tes amis le temps de se tailler. Quels amis? J'ai pas d'amis, je suis misanthrope. Vous étiez quatre. Celui qui a dérouillé le vigile, celui qui attendait au volant, celui qui a filé par la cour, et toi. Eh ben voilà, Maréchal Alphonse, dit Alphonse le Malin, né à Paris 11e de Léon Octave et de Marthe-Angèle Lavinal. 1953, affaire de vol qualifié, non lieu. 1958, affaire de vol avec effraction, non lieu. Dernier domicile connu, 27 place Édouard Renard, 12e. La place Édouard Renard, c'est toujours bon? T'avais pas mis le verrou? Je me souviens pas. Dis donc, c'est pas très rangé chez toi. Ouais, t'as eu des visiteurs avant nous, dis donc. Et allez donc. Cherchez toujours. Mon petit magot, il est à gauche, bien au frais.
Le Rookmout, l'Arthur, l'Edmond, c'est pas des cracks de la maison Lerme, mais des champions du ménage vite fait. Merci, les gars. L'amitié, ça paye. Liberté. Dans les prisons parviennent mal les échos des faits donnés en son nom. Des prouesses tentées pour se libérer de la dernière attache, la pesanteur. Pas un mot, pas un colis, pas un mandat, rien. C'est drôle, quand vous êtes en forme, ils sont tout le temps là. Ça s'appelle des amis. Et dès que le temps se couvre, ils disparaissent sous les portes et dans les trous des murs. Fuyant, furtif, des cafards, des cloportes. Sur Terre, des noms nouveaux apparaissent. Plein de promesses, plein de rêves. Jacques Anquetil ajoute le sien en gagnant le Tour de France. Et dire que j'ai 100 briques qui dorment dans les caves de tonton. Utrio, Braque, Dufy, et pas un paquet de pipes. Mais dès que je suis dehors, monsieur tonton, je lui réduis la tranche. Je le miniaturise, je le dissous. Toujours des promesses. On promet la paix, on fait la guerre. On promet des royaumes, on donne des bénédictions. On promet la lune, on ne la donne jamais. Mais Anquetil, heureusement, gagne le Tour de France. Dans 2 ans, la quille. Je fonce chez le Rookmout et je l'emplâtre. Je lui mets la tête en bas, je lui fais vomir ses friandises et j'envoie sa nana se faire bronzer à Dakar. Le monde est fou. Il rit. Il pleure. Il tue. Il joue. Il matraque. Il se félicite. Il vise toujours la lune. Jacques Anquetil, lucide, gagne encore le Tour de France. L'Arthur, c'est simple. Je lui fais bouffer son passe-montagne. Je le plonge dans l'eau glacée et j'attends que ça gonfle. Quant à Edmond, mon ami Edmond, je sais pas encore ce que je lui ferai, mais je veux que ça fasse date. Jacques Clément, 1589. Ravaillac, 1610. François Damien, 1757. Edmond Clancul, 1965. L'année des prouesses. Prouesse grecque au Japon, féminine en Grande-Bretagne, anglaise en Australie, catholique en Italie, russe et américaine sur la Lune, et française au Tour de France. Alphonse Maréchal, vous êtes libre. Vous êtes libre. 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 Six mois de remise de peine malgré l'avis défavorable des services de police. Mais vos tests sont satisfaisants. Peut-être auriez-vous à vous défier d'une tendance à l'idéalisation qui peut incliner au militarisme comme à la poésie. Dans un cas comme dans l'autre, nous serons là pour vous aider à surmonter toutes sortes de défaillances. Mais attention, nous lisons sur vos fiches « complice en fuite, non identifié ». Ceci nous amène à souligner une chose capitale, le péril que constitue la tentation, même sentimentale, de renouer d'anciennes relations. Alors, Alphonse, tu prépares l'ouverture ?
Je devrais plutôt cligner pour un truc à répétition. Mettons un 4 coups, non? Le temps dû te paraître long. Pas de visite, pas de colis. Je comprends pas que des potes pareils, tu ne les aies pas balancés. Note qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Tiens, comment un homme de ta classe a pu s'attaquer à un coffre où il y avait tout juste 10 briques à racler? Hop, taxi! Enfin, si je comprenais toujours le pourquoi des choses. 10 briques. Il y avait que 10 briques. Ah, ils m'ont tout fait. Les ordures, les cloportes. Faites les faire sortir de leur trou, moi. C'est à la fois très vacant et extrêmement dense. Et ça tient au mieux, n'est-ce pas? Ça dépend auquel. Pleine époque bleue. Toutes les œuvres de cette période sont rigoureusement introuvables. Il y a 5 ans, elles étaient soi-disant invendables. C'est possible. Question de mode. Il y a 2 ans, nous en avions 5 à vendre. Un acheteur texan a tout raflé. Il vaut combien, celui-là? 250 000 francs, 25 millions d'anciens francs. Ah, dis donc. C'est fou ce que la vue a augmenté, hein. À ce prix-là, c'est encore un excellent placement. L'ambassadeur du Ghana est intéressé. Si vous l'êtes aussi, je vous conseille de vous décider assez vite. Merci. Je vais réfléchir, je repasserai. À bientôt, j'espère. Moi aussi. Emploi que je vous propose. Vous vous levez trop tôt, vous se couchez trop tard, ça va jamais. On demande des terrassiers. Bâti comme vous l'êtes. Vous savez, faut pas vous y fier, j'ai de gros os, mais ils sont friables. J'ai pas de force. Si seulement vous aviez une spécialité. Ça, j'en avais une, ne plaisait pas. Sur nos terres, la Léone. Le Roukmout l'a fourgué un dénommé Omar, un vrai désagréable. Voilà 3 ans qu'on ne l'a plus revu. D'un coup de pelle, Ludmont. Non, ça serait pas juste. Galerie Tonton? Non, je suis désolée. Aucun marchand ne porte ce nom. Aucun marchand côté, du moins. Mais je peux, si vous le désirez, me renseigner auprès de M. de Mulder. Ah, parce que M. de Mulder, lui, il a la grosse cote. Oh, lui, ce n'est plus ce qu'on appelle un marchand. Plutôt un animateur, une personnalité du monde et des arts. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur moi? Il vous connaît? Non, je parle pas de lui, je parle du poulet qui aimait vous voir. Ah oui, eh bien, il m'a parlé de vos talents de serrurier et de déménageur. De toute façon, il ne vous a pas fait passer pour un médiocre. Ça vous étonne? Non. Ce qui m'étonne, c'est qu'en voyant entrer ici, vous n'ayez pas déclenché la sonnette d'alarme. Oh, quand un monsieur entre ici, qu'est-ce que nous risquons? Je ne suis plus une jeune fille et ils sont tous assurés. Entre nous, pourquoi venez-vous ici? Pour acheter? Voler? Ou pour parler? Acheter, j'ai plus les moyens. Plus les moyens de rien, d'ailleurs. Même de vous inviter à dîner, ça posera des problèmes. Vous savez, j'ai pas mal d'engagements en ce moment. Voler, j'ai plus tellement le cœur à ça. Mais
C'est vrai que j'aimerais bien parler. À qui? Un voleur. Oh, vous ne m'arrêtez pas, ils sont pas tous bien, les voleurs. I'll be with you right away. There's no hurry. Bon, ben, je vous laisse. J'en passerai peut-être. Quand vous voudrez. Dites-moi si je m'embête un peu. On pourra peut-être reparler de cette invitation, non? N'attaquez pas une banque pour ça. Le soir, je mange très peu. Rien n'a changé, hein, monsieur Alphonse? Non, rien. À part que c'est plus moi qui me farcie les ballons 000. À part que c'est plus mon air qu'on joue pour les dames. Et à part que l'autre bordi fait semblant de plus me connaître. Alors, le malin, on se la refait belle? Je veux, ouais. Partout où je passe, je fais un triomphe. Je remue les foules. Je te cherchais pas, mais je suis content de te voir. Faut que je te félicite. Ah, si, si. J'ai appris que tu cherchais du boulot. Tu trouves pas, mais tu cherches. Ah, c'est fou ce que les mœurs ont changé. Autrefois, un casseur sortait du placard, un mois plus tard, il reprenait la plume et crac. Vous voyez quand même pas pouvoir faire une chose pareille. Tu plaisantes. Non, j'évoque. J'idéalise. Ah, quelle époque, hein, t'as pas remarqué? Tout bouge, tout change, les choses, les gens, on retrouve plus rien. Ou alors, de temps en temps, comme ça, un zombie nocturne, un fantôme. Tiens, à propos de fantôme, t'as jamais revu Riton Larménouche? Je n'aime même pas de qui vous voulez parler. Un confrère à toi. Ah, une fille, mais t'auras pu connaître. Et bien maintenant, il est dans l'alimentation à Chartres. Oh, je pourrais te parler aussi bien de Freddy de Spey. Non. Non? Ou du Rookmout, ou de Jeannot de Bicêtre, tout s'évaporait. Et pour les gonzesses, c'est pareil. Tiens, l'autre nuit, Bertou. Tu connais Bertou, un de mes rigolos? Je peux pas les connaître tous, non. Eh ben, il en a rencontré un, de fantôme. Une nommée Léon, qui tapinait dans le temps rue Saint-Denis. Des années qu'on l'avait plus revue. Et où ça qu'on l'a retrouvé, ça je te le donne en mille. Juste devant Medrano. Je pourrais t'en citer jusqu'à plus soif, tiens, belle Georgette. Qui tenait rue Saint-Georges. Libraire à Montpellier, ça te la coupe, hein? Je sais pas pourquoi on me rapporte tout ça. Je sais pas pourquoi je te le dis, des bêtises. Hep, taxi! Rookmout vous est repassé, monsieur Alphonse. Moi, j'y peux rien. C'était un malfaisant. Les malheurs, il en a fait à moi comme à vous. On va quand même pas fonder une amicale, non? J'ai vraiment pas le pot. Je tombe tout le temps sur des vrais teignes, des furieux. Bon, t'as pas vu le Rookmout. Et les autres? Disparus. Tous. Edmond? Et Arthur? Tirez-vous. Lamar. Tu fais sa longueté? Tu prends des forces? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Mais on parle. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Dangereux ce que vous faites là. Préviens. Dis à monsieur qui je suis. Un terrible. Un battant. Tu connais pas ta force. Barre-toi pendant que tu te contrôles encore. Et Arthur? Il y a longtemps que tu l'as vu. Il vient des fois passer un moment, samedi. Tu sembles en client? Oui et non. Il me donne des chevaux pour le tiercé. Omar est d'accord. Vous pouvez pas savoir ce qu'il a changé, Arthur. Il reste un peu lent au départ. Vous réduirez la paille mélassée, vous augmenterez l'avoine.
Je veux que d'ici dimanche, il tourne comme un Boeing. Tiens, monsieur Gasquin. Vous n'avez sans doute pas lu les Gritos. C'est valable pour tout le monde. Mais je suis pas tout le monde, Arthur. Je suis un ami. Tu te souviens pas? Des souvenirs, j'en ai plus. J'ai tout balayé. J'ai changé de monde. Évolution sociale, ça s'appelle. Ouais, je vois ça. L'élégance hippique, le bon ton. Je suis content de voir que mon carbure est en bonne main. Ton carbure? Eh ben, dis donc, t'as fait des rêves en prison, toi, hein? Ou alors t'auras prêté l'oreille à des médisances. Ah non, si t'es venu me bottiner, alors là, j'ai rien contre. Combien il te faut? 10? 20? 30? Ah, il faut que tu redémarres. Et si tu veux faire fructifier, tu glisses tout ça dimanche sur Bébé Rose dans la quatrième, un produit maison. Si ça veut rire, tu peux te goinfrer. Eh ben, tu pourras au moins dire merci, non? Pourtant, ouais, que t'as évolué. T'es devenu intrépide. Moi aussi, j'ai changé. Ah ben, ça se remarque pas. Je suis devenu irascible. J'ai dérouillé de 4 briques et morflé de 5 ans dans vos farces et attrapes. C'est l'heure des dividendes, Arthur. Tu vas commencer par fourguer un de tes canassons. Mais ils valent rien. Et Bébé Rose, je croyais que c'était un crack. C'est un beau. Et tu me le donnais gagnant pour dimanche. T'es une vraie plaie. Oh, bah c'est un cheval, quoi. Il a 4 pattes, il frotte. Tu m'as déjà considéré que j'ai 107 dessus. Et qu'il passe le poteau à 10 contre 1. Il me faut une brique pour dimanche soir. D'ici là, j'espère bien avoir vu Edmond. À propos, file-moi dans son adresse. Bah, t'es malade? Pourquoi j'aurais l'adresse d'Edmond? Ah, mais t'as pas ça, la tête. Oh, puis merde. Je vois pas pourquoi je couvrirais ce connard. Après tout, c'est lui qui nous a tous mis dans le sirop. Hein, c'est lui? Non, lui, la volubilis, sentier des fauvettes. À bord la reine. Voilà. Ah, elle est fraîche, l'administration. Il avait encore un an à faire, mais pourquoi ils l'ont largué? J'ai pas le temps de lui demander, excuse-moi. Hein. Comment il est? Nerveux, obsédé par ses sous. J'étais forcé de lui donner ton adresse. T'as pas fait ça? Son sens battait, hein. C'est surtout à toi qu'il en veut. C'est normal, t'étais son pote. Et au fond, ce que t'as fait, c'est pas tellement beau. Quoi? T'es pas un peu dingue, non? Ici, de la part d'un certain Arthur. Arthur le driver. Allô? Oui? Allô? Allô? Arthur? Arthur? Allô? Allô, Arthur? Oui, sur le trottoir. De la part de Lescure. Lescure! Thank you.
maximum. Oh, venez vers la vérité, homme. Venez vers la lumière. Père Clanqueville, vous ne me reconnaissez pas? Alphonse, l'ami d'Edmond. Edmond, votre fils. Les Pourana vous attendent depuis longtemps. Oui, vous êtes sous le signe. Sarga et Dama vous escortent. Rama, Rama, Rama. Le lumineux combat l'impur. L'Atman monte dans la clarté. Et Siva appelle. Pendant qu'il y est, vous pourriez pas lui dire d'appeler Edmond? Pas de hâte. Respect des cycles. Celui qui doit venir vient toujours. Edmond est en approche. Il a reçu la lumière. Quand ça? Hier. Vous la recevrez aussi. Vous connaîtrez les sept perfections. La gnose. Rama, Rama. Où est Edmond? Celui qui doit venir vient toujours. Rama, Rama, Rama. Eh ben merde. Mais Edmond, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es devenu fou ou quoi? Edmond! Edmond! Ben faut venir voir un toubib. Allez, viens. Oh, mon cher. T'as encore failli me faire mon rond, hein. Oh, homme de violence. Ah! Et si je te sautais sur le bide, hein? Tu as joué les puissances des ténèbres. Pas responsable. Ah ouais. Un. Deux. Fais pas le con! Mais qu'est-ce que t'es venu chercher? L'horoscope du jour. Tiens, si ça peut t'aider. Eh ben vas-y. Je t'écoute. Tu veux que je te parle de quoi? Tonton, Rookmout. Pourquoi pas d'Arthur? Rama, Rama. Je vois pourtant Arthur. Il vient d'avoir une visite. Une mauvaise. Il est tout pâle. Tout froid, tout mort, je sais. Ah bon? Oui, et Rookmout? L'homme aux cheveux rouges est derrière un brouillard très loin. Je le vois à peine. Ah! Force un peu sur le fluide. Je te charrie pas, le recours de personne n'a rue depuis 4 ans. Et t'entends? Oh. Je vois des taches de couleur, tout le prisme, la féerie, l'arc-en-ciel. Et tonton. Le tonton, je le vois. Indescriptible, trop irradiant. Tout s'embrase, grande nébuleuse, aveuglante. Des têtes, des chiffres. Washington, Molière, Guillaume Tell, on dirait des bifetons. Plein de bifetons. Oh là là! Le palais du sultan, altière demeure, verdoyant asile. Où ça? Neuilly. Sois un peu plus précis parce qu'on y va tout de suite. Pas possible. Je vois un obstacle. Quel genre? Les bifetons. Les voilà. Mais cette fois-ci, ils sont en deux tas. Comme qui dirait 50-50. Et si je te disais d'aller te faire... Là, je vois plus rien. Je vois plus rien, mes anges ne viennent plus visiter. T'es seul au monde. Oh, 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 oh. Seul au monde, je vais peut-être y être plus vite que tu ne le crois. Seul? Tu l'as toujours été, patate. Même quand tu jouais les grands frères avec moi à ta manie. Même pendant les récrés, fallait que tu me défendes, que tu me protèges. Qu'est-ce que t'as pu me faire chier? Dire que j'avais la chance de pas avoir de frangin? Tu m'as gâché la vie. J'ai eu que 50 bons pendant que t'étais au trou. T'aurais pas pu y canner. Non, c'est la communale qui recommence. Faut encore que je dénonce, que je te donne l'adresse de tonton pour que t'ailles le battre. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas!
Merci. Je vous adore, chérie. Je vous trouve très belle. C'est la conscience. Moi, je trouve 2000 vergers. C'est beau comme la mer. Secondaire, mot. On n'aime pas, c'est secondaire, finalement. L'année dernière. Il en veut le triple cette année. L'art moderne est au Madagascar. Mais la presse est d'accord. C'est chouette, ça. Très chouette, ça. You guess it, don't you? That low may upset our face. But everything back into question. I think so. You may be sure. I never miss it. Oui, qu'est-ce que c'est? Dear friend, what a surprise! Comment allez-vous? Very well. Et toi, grosse tante? Vous connaissez? Sir Alec Crawford. J'en connais un qui va traverser son salon à coups de latte dans l'ouest. Non, non, faites pas attention. Non, mon ami Alphonse est un vieux camarade de maquis. C'est un rude gaillard. Et tough guy. Oui. Me casse pas ma cabane, ça lui la poigne. Ma maréchal Alphonse. Et lieutenant l'oiseau dans la résistance. From the maquis. Moi, je suis pas venu ici. Moi, mais je vous abandonne un instant, m'excusez. Pardonnez-moi. Bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon pognon. Mais vous êtes fou. Complètement fou, mon pauvre Alphonse. Vous pouviez me tuer. Moi, c'est sans importance. Mes jours sont comptés, mais vous. C'était les assises, Alphonse. Et quel motif invoqué pour votre défense, hein? L'oseille que tu m'as engourdi, c'est pas un motif, ça? Et de m'avoir laissé crever de faim pendant 4 ans, c'est pas un motif non plus, hein? Non, je veux bien oublier vos brutalités, mais je subodore entre nous un quiproquo navrant. Hein? Oh, non, 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 restons calmes, hein? Et causons. Mais bien sûr qu'on va causer. On va causer de mon pognon, hein? Oui, enfin, ou de peinture, c'est la même chose. Mon cher Alphonse. Je t'écoute. Vous m'aviez, si j'ai bonne mémoire, confié des tableaux. J'ai été contraint de les vendre. Ah non, non, je dis bien, contraint. Le lendemain de votre déplorable expédition, j'ai eu la visite de 3 de vos camarades. Des guêpes désolantes qui voulaient de l'argent. Ils exigeaient. Et comme ils exigeaient en me passant un rasoir sur la gorge... Tiens, pourtant, je les connais. Le rasoir, c'est pas l'argent. Pour 40 millions, on a vu des gens changer de genre. Bref, j'ai dû me séparer de vos toiles. Oh, j'ai essayé de préserver vos intérêts. Impossible. Des brutes. Et à vos excès tout à l'heure, dois-je comprendre que vous êtes gêné? Pas au point de ne pas pouvoir m'acheter un rasoir. Alors, je vous en prie, assez joué. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses? La vie, qui est une vaste leçon de choses, m'a appris que seul le travail paie. Et croyez-en l'expérience d'un ami. Oui, 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 d'un ami. Que diriez-vous de travailler pour moi? Tu sais que t'es une vraie gonzesse, hein? Tu la cherches, ta valse, hein? Dominez-vous, mon cher, dominez-vous. Hein? Soyez pratique, moderne. Je peux faire de vous un homme riche. Moi, j'ai été initié trop tard, déjà vieillard. Presque mort. Presque. Non, n'aie pas peur, je vais te laisser. Hein. Mais ta proposition de travailler pour toi, ça va pas comment. Avec toi. Mais toi, par contre, tu travailles pour moi, ça, ça peut s'envisager. Faudra que je rêve là-dessus, je te donnerai ma réponse demain. Merci. Quête! Quête! Alphonse, mon fils, sur le plan de l'arnaque, les coups les plus tordus ne sont rien.
Vous n'entendez rien à côté de la peinture abstraite. Cap, prenez grand soin de monsieur. Il fait désormais partie de la maison. À demain. Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Vous m'avez vraiment prise pour une conne. Ouh là là, quel œil! Boudeur en plus. Quelque chose vous a déplu. Oui, votre langage. Si vous entrez dans la maison, il faudra vous y faire. Les arts et les lettres, mon cher, on parle Chartier. La trivialité était longtemps l'apanage d'un certain milieu. Oui, la mienne. Le vôtre. Les femmes du monde ont pris le relais. L'adjectif conne qui semble vous avoir choqué est devenu une expression de base. Elle désigne ainsi leurs amis, leurs bonnes, leurs mères. Kat, Kat, à mon secours, chérie, je vais le tuer. J'espère que vous n'êtes pas pour cette saloperie d'école néo-figurative. Je vais vous dire où elle mène, moi. À la négation de la négritude et à la persécution des homosexuels. C'est-à-dire, si vous êtes logique, au suicide. Vous désirez quelque chose? L'avenir, c'est le nombril. Point de salut hors de Bouddha. Cet été, au lieu d'aller porte au finaux, j'irai me purifier dans le Gange. Mais vite, je crois que je vais acheter un atelier à Carrefour. Pardonnez-moi. Sans doute, ces choses vous sont à l'étrangère? Non, non, pas du tout, non. Je suis à moitié brahmane. Non. Si. Les derviches, j'en ai connu par famille entière. À Saint-Mandé. Et même un vrai papillon, avec boule de cristal et blanche à cuir. Mais c'est fascinant, où est-il? Ah ben, c'est-à-dire qu'en ce moment, il voyage, il navigue. Et si tout va bien, il doit même naviguer du côté de Conflans. Vous ne trouverez pas de taxi par ici, je vais vous déposer. Merci. Des arts et des lettres pour faire comprendre à une jeune fille qu'elle est à votre goût et qu'on aimerait bien prendre le petit déjeuner avec elle. Vous voulez dire pour emballer? Oui. Il y a plusieurs écoles. On peut lui envoyer des fleurs tous les jours, mourir pour elle, lui offrir un voyage à Tahiti. Devenir fou, se ruiner. Ou tout simplement la prendre dans ses bras et lui dire où va-t-on. Pas sortir demain, j'ai des bleus partout. Dis donc, le 35, qu'est-ce que c'est? Un Josberg première manière. Et ça représente quoi? Rien. Mais ça peut représenter 3 millions si de Mulder le lance. Au fait, lui et toi, il y a longtemps? Bah, la vie n'est pas toujours facile. Il a été gentil avec moi, et puis... Oui, et puis tu me connaissais pas encore. Tu n'avais pas encore rencontré le prince charmant. Tu sais ce qu'on devrait faire dimanche? Non. De Mulder a un bateau au pont de Saint-Cloud. S'il fait bon, on peut descendre la Seine jusqu'aux Andelys. Si on se met tous à descendre la Seine, ça va virer à la zone bleue.
Tiens. Voilà une heure que j'essaie de te joindre. Au lieu de décrocher, tu aurais pu te mettre aux abonnés absents. Ça nous aurait épargné une situation vaudevillesque. Ouh là là, tu vas en faire des histoires, non? C'est pour ce que je t'ai proposé hier. Eh ben, ça tient. Je crois qu'on va très très bien s'entendre tous les deux. L'inconscience désarmante des grands paranoïaques. Celui qui doit partir finit toujours par s'en aller. Il disait trop, Edmond. Il aurait peut-être voulu marcher sur les eaux. Et Arthur, il marchait sur quoi? La fatalité frappe tes tourmenteurs, tu devrais être joisse. Il y a des séries que je n'aime pas. Eh ben, n'y pense plus. Revenons plutôt à nos affaires. Voilà, pour que personne ne soit lésé, je te propose de me prendre à l'essai pendant 6 mois. Oh. Disons une brique par mois. Il n'y aura même pas question d'horaire puisque je serai sur place. Ah, parce qu'en plus, t'as l'intention de camper ici. Autant qu'Alphonse soit à pied d'œuvre. En attendant, qu'est-ce que tu dirais de m'ouvrir un petit crédit d'équipement? Que je te fasse pas honte. Je te savais malhonnête, Alphonse. Mais à ce point-là, tu vois, je l'aurais pas cru. Flâne et l'anthracite. Mon chéri, l'œil du client doit être attiré par les couleurs du tableau. Pas par celle du vendeur. Chéri! J'aime bien le coloré. Celui-là, c'est le dessin que j'aime bien. Oublie le mot dessin, chérie. Il est complètement anachronique. Parle de graphisme, de modelé. Ou de mise en condition de l'objet, je préfère, tiens. Tu crois que tes clients comprendront? Comprendre? Là, tu passes de l'anachronisme à l'insulte. Et puis, n'emploie jamais non plus le mot coloré, mon amour. Parle de chromatisme. De matité, de rythme. C'est trop beau pour que ça soit vrai, ça. Mais où est-ce qu'elle veut m'emmener, celle-là? Qu'est-ce que tu as? À quoi penses-tu? Devine. Chapelier, 15 000. Chemisier, 160 000. Tailleur, 440 000. Voiture, ah ben non. Ça va s'arrêter où, vos fantaisies? J'ai limité les dégâts à l'essentiel, que monsieur soit montrable. Enfin, Nounours, avoue qu'il avait un genre curieux. Ça t'a pas tellement buté, son genre. Ça y est. Je t'ai déjà dit que j'avais mal agi, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, mon Nounours sait bien que je ne m'absente jamais longtemps. Pardon? Il a de la peine, Nounours. Si tu veux, je peux rompre. Mais j'ai peur. Pas pour moi, notre bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien de précis. J'évite toujours qu'on parle de toi. Mais quand ça arrive, il fait une tête que j'aime pas lui voir. Oh, avec le carbure que je lui balance, il pourrait m'oublier un peu. Non, mais il a rien... quand même rien dit de spécial. De spécial, non, pas vraiment. Hier, en lisant le journal, l'article sur le vernissage, il a dit « Tonton, un de ces quatre, on parlera de lui dans la rubrique d'à côté. » Je crois bien que c'était l'effet d'hiver. Monsieur est sorti prématurément, je dis bon. Monsieur te fait de la chansonnette, je dis encore bon. Entre nous, c'est un peu neuf de les lâcher. Qu'est-ce que cette patate peut prouver contre nous?
Roquemoute, tu t'embourgeoises. Le pognon te noue le cervelet. Tu raisonnes. Oui. Seulement tu raisonnes comme si Alphonse voulait nous faire un procès. Il réclame des comptes, ce salaud. Mais pas devant le juge de paix. Moi, je m'en tire avec un peu de monnaie, enfin des miettes. Mais toi, si t'entreprends, t'auras plus qu'à rembiner avec Léon ou vendre des lacets dans la rue. Oui, mais dis pas des choses comme ça. Depuis que j'ai un peu de pognon, faudra me payer pour faire le mac. Et puis en admettant qu'il faille lui rendre un peu de fraîche, je suis pas tout seul. Il y a les deux autres. Non, il n'y a plus. C'est pas vrai. C'est comme ça. Et si nous ne faisons pas très vite quelque chose de très intelligent, ça sera de plus en plus comme ça. Et pour tout le monde. Est-ce que Sophie peut me prendre à 6 heures? Non, juste un coup de peigne. Merci. Vous désirez quelque chose? Ah non, 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 ah, j'en regarde. Oui, c'est personnel, dynamique, violent. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va très, très loin. Oh. Personnellement, c'est tout ce que j'aime. Le rythme, quelque chose d'africain. Mais attention, c'est dompté, tempéré. Si l'exposition de New York donne ce que nous en attendons, un gamin va faire un bond terrible. Pour ce Salvatore est dessus, mais je vous le réserve jusqu'à 6 heures. Merci. J'aimerais que ça reste en France, vous comprenez? Un seul mot, bravo. Merveilleux. Alphonse, c'est pas vrai, t'es sorti depuis quand? Deux mois. Deux mois? Et tu me dis ça comme ça? Alors si j'étais pas venu me paumer dans ton quartier, si j'avais pas regardé dans ta boutique, on se revoyait peut-être jamais. Ah, tu aurais quand même pu me mettre un mot. Note bien que je comprends la superstition. Qu'on voit pas des mecs avec qui on a eu l'âge commun, qu'on bosse plus avec eux. Mais les éviter comme des lépreux, là t'as pas le droit. Dis donc, Roquemoute, je me suis pas passé 5 piges pour t'entendre parler de mes droits. Hein. 5 piges. Sans un colibère, sans une thune. Hein? Quoi? Ces amphifrés t'ont pas assisté? Ils ont fait ça? Ah ben je comprends que tu me reçoives fraîchement. Et puis dans le fond, t'as raison. Je suis responsable. J'avais qu'à pas leur faire confiance. Mais il va falloir qu'ils aillent au fil, hein, les tantes. Au fil de quoi? Ben de la fraîche. Ah, c'est vrai, tu sais pas. Kate, vous ne deviez pas passer chez Guillaume? Si. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je sais pas? La nuit maudite, quand je me suis retrouvé dans le Blitz, j'ai eu comme une inspiration. J'ai foncé à ta crèche. Et alors? Il y avait déjà du monde. L'Edmond avait débouclé la lourde et l'Arthur s'attaquait à l'aquarium. Le plus beau, c'est que ça m'a paru normal. Tout de suite. Tout de suite. Ben, vas-y, continue. Alors, on a rabattu chez l'Arthur. Là, on a divisé tes bifetons en 4 tas. Edmond s'en est farci 2, soi-disant pour les colis et l'avocat. Oh, oh, alors, mon chier, si t'avais entendu son cirque, il avait peur qu'on t'oublie, qu'on t'envoie pas les mandats à l'heure. Moralité? Je vois les choses en 2 temps, et je commence à l'envers. Les 2 immondes, je m'en occupe dès demain. Et pas gentiment, hein. Je veux les voir à genoux. En attendant, je t'embarque. On va régler nos comptes, faire des calculs, et rendre ta décarade. Attends, tu me saoules, là. Faire des calculs, mais des calculs de quoi? Mais des calculs d'intérêt, mon pote. Moi, ton pognon, je l'ai pas laissé dormir. Il a travaillé. Allez, je te dis rien, c'est la surprise. Eh bien, on a 40 bornes à tailler. Non, non, je peux pas maintenant, faut que je garde la boutique, là, mais je te rejoindrai ce soir après dîner. C'est où, ta surprise? À Pontoise. Tu vas tout droit au champ de poire et tu me demandes. Alors, à ce soir? Ce soir. Tu sais que tout à l'heure, tu m'as fait de la peine? Vieux voyou. Oh! J'ai oublié de te demander. Léon, ça boum? Je l'ai perdu, il y a 3 ans. Morte. Une typhoïde. Je te demande pardon. On est en pleine délinquance juvénile. C'est la chaîne de vélo qui se vend. On ne vient presque plus me voir. Ah, oh, du temps de Gégène, tu te souviens du défilé? On pouvait à peine fournir.
Ah, il t'aimait bien, Gégène. Quand il t'a vendu ta première plume, je me souviens, il m'a dit... Gonzela, il ira loin. On était rue Frémicourt, alors. On parlait souvent de toi. Comment c'était déjà ton surblaze? Le malin. T'as ouvert. Alors, je sais bien qu'il faut pas évoquer les tristesses. Ah, mais quand j'ai su que tu te mettais en flèche avec le rouquin, j'ai reniflé le pire. Un mec qui t'emporte une brique de matériel, qui te laisse 200 sacs et qui donne plus jamais de nouvelles, moi j'appelle ça une mauvaise personne. Pas toi? T'as le poignet à supporter le gros module? J'ai rien contre, à part le brut. Qu'est-ce que tu dirais de ça, 38 spéciales? Pas d'enrayage possible. Avec le magnum, tu butes un éléphant à 30 mètres. Je dis un éléphant, comme tu dirais autre chose. Combien? Rien. Je te l'offre. Bah, écoute, y a pas de raison, quoi. Si. Je veux m'associer à une bonne œuvre. Laisse, laisse, je fermerai. Alors, mon copain, tu t'y retrouves? Ah, tu sais, moi, les chiffres, hein. Tu t'y feras, hein? Question comptabilité, on a eu trop longtemps de mauvaises manières. Crac, la lourde en dedans, faites tomber les talbins. Dans le régulier, t'as les taxes, les impôts, les assurances. Ça diminue le velours, hein? Ça diminue aussi les risques. Oh, dis donc, je commence à la sauter, moi. Non, merci, à cette heure-là, je préfère du solide. Alors, si tu résumais un peu. Eh bien, c'est simple. Ou on fourgue? Et tu prends 8 briques de fraîche et t'as doublé le capital, ou bien on exploite et on explique 600 tickets tous les mois. Mmh. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Mais moi, quand j'ai faim... T'as raison, on y va. Mais avant, fais-moi plaisir. Je voudrais que tu vois la merveille. Tu vas un peu reluire, mec. Tiens, mord un peu la mécanique. Maligne deux de chambre, 20 chevaux, double secteur, entièrement revisé il y a 6 mois, du tout neuf. Siège caoutchouc mousse, une vraie caresse pour les noix. Allez, viens, viens essayer ça. Viens t'asseoir à côté de ton pote. Allez, viens, je te ferai un tour à l'œil, le tour du pro-bloc. Eh ben viens, bonne pomme. Alphonse, où tu es? Je suis là. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. C'est toi qui vas mal faire le tour du problème, gros pote. Tu le mérites, t'as tout fermé ta neuf. Et puis je vais te voir t'amuser. Alphonse, fais pas ça! Alphonse! 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 Arrête, Alphonse! Arrête! Arrête, Alphonse! J'étais morte d'inquiétude. Je t'ai tendu jusqu'à 2 heures. T'as pas eu à m'attendre, je t'ai pas quitté de la nuit. T'entends? De la nuit. T'as dû faire un cauchemar. Allez, dors.
Là, Alphonse. Oh, c'est insensé, de quel droit? Allez, debout. Oh, t'es sourd? Alors, ça vient? Mais il est fou, ce mec. Allez, fringue-toi. On t'attend à la brigade. Et on peut savoir ce qui t'arrive? À moi, rien. Mais à tes amis, des choses pas gaies. C'est la scène du malheur. Je te prenais jusqu'ici pour le petit casseur humoriste, l'original. Repenti, j'y croyais pas trop. Mais je pensais que tu garderas les mains propres. Allez, mangue-toi. Alors, tu viens, oui ou non? On peut savoir pourquoi? Pour nous dire ce que tu faisais cette nuit entre 1h et 3h. On sait qu'à ces heures-là, t'as toujours les rendez-vous avec les femmes du monde. Mais cette fois, je te conseille d'être un peu moins de gentleman et un peu plus précis. Oh, moi, je veux bien. Si Mademoiselle Verdier m'y autorise. Eh bien, entre 1h et 3h du matin, Monsieur Maréchal et Mademoiselle Verdier étaient en train de s'envoyer en l'air. Ça vous suffit? J'espère que vous avez un bon avocat dans vos relations. Excellent. Demandez-lui donc de vous parler de l'article 361 du Code pénal. Ça concerne le faux témoignage. Maintenant, si Mademoiselle Verdier veut bien me laisser seule 5 minutes avec monsieur. Voilà. C'est encore pour me tourmenter, hein. Tu connais les proverbes arabes? Il y en a un qui va assez loin. Assieds-toi au bord de l'oued et tu verras passer le cadavre de ton ennemi. Tu viens déjà d'avoir passé 3. Faudrait pas, mais alors absolument pas, qu'un 4e défile. Tu piges? Que dalle. Je traduis. Si tu avais prochainement la douleur de perdre quelqu'un de ton entourage, on t'emballe et tu descends au trou pour 20 ans. T'as ma parole. Oh merde! Allez. Dieu vous garde. Allez vite. Bagages, tu t'en vas? Non, je reviens. Il me semble, ma chère enfant, avoir croisé un représentant de l'ordre. Aurais-tu reçu sa visite? Oui, tu sais ce qu'il prétend? Oui. Qu'Alphonse n'aurait pas passé la nuit ici. J'ai naturellement soutenu le contraire. Oh, que tort. Mon cap, mon bébé chéri, une affreuse nouvelle. Sois courageuse. Un grand ami vient de nous quitter. Pas celui que tu crois? Alphonse! De Dieu! T'entends? Mais tu vas pas calmer, tu vas pas me faire ça! Mais appelle un tout toi, qu'est-ce que t'attends? Lâche-moi, toi! Qu'est-ce que c'est? C'est encore ce monsieur Alphonse, il insiste. Interdiction d'entrée! Interdiction! Foutez-le dehors! Monsieur est drôle, pour pouvoir. T'entends? Allez, ouvre-moi. Je suis déjà venu ce matin, hier et 2 fois la semaine dernière. Où faut qu'on parle? Va-t'en! Sors d'ici! T'es tout rouge de sang! Tu peux pas me laisser mourir en paix! Me parle pas comme ça. Dis donc pas de conneries. Mais enfin, quoi, qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Oh, on te connaît, hein? Tu penses qu'il a buté le monde? Enfin, voyons, tonton, calme-toi. Raisonne un peu. Chez toi, j'ai une place de première. Mon intérêt, c'est que tu deviennes centenaire. T'entends, centenaire? Enfin, alors pourquoi est-ce que j'irais te buter? Parce que t'es un carnassier, un sauvage, un vindicatif, un haineux. Pense plus à tout ça. Supposons qu'il change d'humeur. Dans 8 jours, il jouera plus que par toi. Mais qu'est-ce que je te dis qu'il devient fou? Il mange plus, il sort plus. Tu vois pas qu'il nous fasse une maladie de langueur? Oh, le fumier. Tu veux que j'aille le voir? Que je lui parle? Oh, ma petite fille. Je t'appelais ma petite fille. J'avais fini par y croire. C'est terrible, la mort. Alors je vais te laisser dans les griffes de cette escarpe. Il va te ruiner, il va tout manger. Les tableaux, la boutique, tout. Calme-toi, nounours, il fait du mal. Il est fait, le mal. Vous en êtes chargé. Mais ça ne se passera pas comme on croit. À l'abruti, il dit que je suis fou. Parfait. Je vais agir comme tel. Je vais léguer mes chefs-d'œuvre à l'État. Il y aura une salle de Mulder au Louvre. Allez, appelle-moi Maître Ravinel à son étude.
Tu savais comme je regrette toute cette peine que je t'ai faite. Appelle-moi maître Ravinel et sauve-toi. Je dois t'attendre. Tu me renvoies? Jack, si tu pouvais, tu me sauverais la vie. Tu veux que je reste près de toi, que je te soigne? Oh, connasse. Pour ça, je peux payer une infirmière. Non, il faut que tu me défendes. Que tu me fournisses une arme contre le fou. Allez, par exemple, si tu déclarais dans une lettre que l'autre matin, tu as menti au poulet. Non, je ne peux pas faire ça. Si, tu le peux. Personne s'en servira de cette lettre. Elle restera chez le notaire. Et sur l'enveloppe, tu sais ce qu'on peut mettre? Un décacheté qu'en cas de mort violente et en cas de décès naturel, l'armettre à Catherine Verdier, ma légataire universelle. Hein? Mets-la dans le secrétaire, ma petite fille. C'est bon de pouvoir à nouveau t'appeler comme ça. Ma petite fille. Chérie, c'est ta faute, il m'a forcé, je voulais pas. Tu voulais pas quoi? Écris cette lettre, je te demande pardon. Mais quelle lettre, à qui? À la police, pour dire que j'ai menti l'autre matin. J'ai eu pitié de lui, j'étais folle, je te jure sur la tête de ma mère. Je l'emmerde, ta mère, où elle est cette lettre? Dans sa chambre, dans le secrétaire, dans le petit tiroir de gauche. Chérie, la clé. Planqué où, hein? Je te préviens que malade ou pas, il va falloir que tu... Allô, oui? La lettre est plus là. Et quelqu'un a buté ton temps. Ah oui? Il est mort. Du con, la joie. Thank you.
tout ça, c'est rien. 20 ans. 20 ans, ça se fait sur une jambe. Il avait raison, mon ami l'emballeur. Assieds-toi au bord de l'Oued et tu verras passer le cadavre de ton ennemi. Eh bien, je vais m'y asseoir au bord de l'Oued. Et le temps qu'il faudra. Et si elle passe pas, la Catherine, eh bien, j'irai au-devant d'elle. Le temps que je sorte, elle aura 45 berges, la Catherine. Et avec les millions qu'elle se sera goinfrée, elle aura grossi. Et ça fera un cloporte bien gros, les plus chouettes écrasées sous le talon. On me laissera prendre la main, il y en a qui vont comprendre. Crac, crac sous le talon. Ils vont comprendre, tous. À coup de talon, à coup de talon, à coup de talon, à coup de talon, à coup de talon.